Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Je suis très ravie de vous revoir dans ce live. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En attendant que vous soyez nombreux, je vous demande de tapoter l'écran, s'il vous plaît. Profitez-en, je réponds à toutes vos questions. Merci de tapoter l'écran au maximum. Comment allez-vous, chers gens? Est-ce que vous vous portez tous et toutes bien? Pour ma part, je ne me plains pas du tout. Je rends grâce. Et vous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? Oups. Faites-moi un coucou dans les commentaires. Est-ce que vous êtes là? Merci de tapoter l'écran au maximum. Oups. J'ai un problème avec ma montre. Est-ce que vous êtes là? Comment allez-vous, chers gens? De mon côté, je vais très bien. Nous parlons aujourd'hui de quoi voulez-vous qu'on parle? Je vous laisse le choix de choisir. Donc, dites-moi. De quoi voulez-vous qu'on parle? Voilà. De mon côté, ça va, je ne me plains pas. Je me plains pas du tout, je vais très bien, merci. Je suis là, je réponds à toutes vos questions, celles ou ceux qui n'ont pas l'opportunité de m'envoyer un message à chaque fois. Fanta, j'ai envie de te parler, mais je ne sais pas du tout. Voilà, je suis là pour vous, je réponds à vos questions. Et je trouve ça judicieux de, au moins une fois par semaine, de faire un petit live, histoire de vous entretenir, de parler avec vous, de partager. Je pense que c'est nécessaire, donc... Posez des questions. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des remarques dans la courtoisie, bien évidemment, vous êtes bienvenue. Et si vous voulez un petit peu vous renseigner, en tout cas, du moins savoir sur les services que nous rendons, plus précisément des conseils, des accompagnements en oratoire, il suffit simplement de poser des questions. Je serai ravie de répondre. Voilà, voilà. Comment vous portez déjà? Moi, je vais très bien. Hello Case, hello Bastirou, bonjour. Bonjour Sonia, bonjour Zeynab, bonjour Jean, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très ravie de vous avoir. Bonjour, jolie. Coûte ta montre. J'ai pas compris. Combien coûte ta montre? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, les gars? On va pas rentrer dans ça. Bonjour, Minta. Je vais très bien. Merci, très cher. Posez des questions. Je vous écoute. C'est parti. On répond et puis voilà. Voilà, voilà. Ça coûte pas cher du tout. Mais je me demande si c'est nécessaire de... Je galère avec cette montre, franchement. À chaque fois, ça s'enlève. C'est soit moi qui ne sais pas du tout comment m'y prendre. Comment... Ouais, voilà. Je pense que je l'ai bien portée cette fois. Je vous laisse poser des questions. Je vis à Paris. Je vis en France. En art oratoire, quelle... rôle joue 50% de la communication passe par la communication non verbale, donc ta façon de te tenir, bien évidemment, les gestes que tu renvoies, ta façon d'être, bien évidemment que tu peux pas inspirer les autres, du moins prétendre bien parler en public si tu n'as pas un certain gestuel en fait vis-à-vis des gens.
C'est très important de savoir se tenir. Il faut savoir que parfois votre posture peut refléter la peur, l'inquiétude, le stress, tout un tas de choses. Tu es mariée, encore cette question. C'est pour ça que j'ai fui Instagram, juste pour cette question. Pourquoi vous me lâchez pas une seconde avec cette question de tu es mariée? Est-ce que pour dispenser des conseils, est-ce que pour donner des conseils, il faudrait que je sois mariée ou pas? Je sais pas du tout. Mais je trouve ça très curieux quand même. Je reçois. Je pense que après Fanta, comment bien parler? Fanta, comment être charismatique? Après au moins deux, trois questions, la quatrième des plus grandes questions que je reçois, c'est est-ce que tu es mariée? Je me demande si c'est vraiment nécessaire. Je me demande si c'est vraiment nécessaire. Merci de tapoter l'écran. Merci de tapoter l'écran. Comment maîtriser le eye contact? C'est très simple. Il faut simplement avoir l'habitude de regarder les gens droit dans les yeux quand vous vous exprimez. D'accord? Ça montre que vous êtes très confiant ou confiante en tant que personne. Ça montre également que vous avez de l'assurance. Ça montre que vous êtes, du moins vous êtes figé derrière vos opinions. Ça montre beaucoup d'assurance venant de vous, vis-à-vis des gens avec qui vous faites face. Donc c'est très important de maîtriser le contact visuel. Et ça, comment vous pouvez faire? C'est de vous entraîner. Entraînez-vous à parler aux gens. Entraînez-vous à surtout les regarder droit dans les yeux. Moi, je vois des couples qui ne se regardent pas du tout quand ils se parlent. C'est dommage. À votre avis, pourquoi nous mettons des faux cils, nous les femmes? C'est pour avoir au final un joli regard. Regarder la personne qui est en face de nous, notamment notre conjoint, notre copain, enfin, je sais pas moi. Donc, profitez-en. Commencez à vous entraîner déjà avec la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, faites de même. Commencez à vous entraîner auprès des personnes qui sont proches. Travaillez sur le eye contact. Moi, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux quand je parle. Mais maintenant, c'est plus le cas. Même si je sais qu'au fond de moi, vous savez, parfois, il y a un type de personne qui nous rend, je dirais pas mal à l'aise, mais qui nous rend un peu timide. Surtout quand le gars te plaît. Enfin, je sais pas, tu commences à faire des... Mais tu t'efforces, tu te fais un mal de fou quand même pour le regarder dans les yeux pour qu'il sente en fait que tu dégages beaucoup d'assurance en toi. Mais au fond, ça bouillonne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez l'origine des fossiles? Pas du tout. Pas du tout. J'aimerais bien savoir. Les Africains sont ainsi, vu que la famille est l'un des piliers de la société. En effet, j'ai pas dit le contraire. Hein. Je suis moi-même, j'adore la vie de famille. Mais je pense pas que ce soit nécessaire qu'à chaque fois que je fais des interventions, qu'on me demande si je suis mariée ou pas. Je me demande si. Ça fait de moi une personne à moitié accomplie ou ça fait de moi une personne. Je sais bien évidemment que nous avons tous besoin l'un de l'autre pour grandir. Hein. Je n'en disconviens pas, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que le fait que je sois mariée ou pas me permet de bien ou mal faire mon travail? Non, je pense pas. Je pense que ce serait bien en tant que nous, les Africains, parfois, de voir les gens à leur juste valeur. Et c'est bien et aussi parfois d'apprendre à respecter la vie privée des gens. Je reconnais quand on est sur les réseaux sociaux où on devient plus ou moins public, mais il faut comprendre que parfois quand une personne essaye de cacher certains aspects de la vie, rester figé derrière cela. J'ai beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, mais je ne les affiche quasiment jamais sur les réseaux sociaux. Parce que la famille, elle est sacrée pour moi et je la protège et ça peu importe le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, je pense que il serait sage de respecter en fait l'intimité des gens, avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment. Donc si vous avez d'autres questions, je serais très ravie de répondre. Tu es en Amérique? Non, c'est un cadeau. Vous avez fait des études de quoi? C'est une très bonne question. Beaucoup de gens me demandent ça. Je réponds quasiment pas parce que je pense que les études, c'est très bien. On n'a pas besoin spécialement des études pour réussir dans la vie. J'ai eu un parcours assez atypique. Hein. Au début, j'ai fait un bac en sciences et management, gestion des entreprises, tout ça. Et j'ai fait toute ma scolarité en France, quasiment.
du collège, lycée, la fac. Donc à la fac, j'ai fait tout ce qui est gestion d'entreprise, voilà. Mais après, avec le temps, ça ne me plaisait pas trop parce qu'on parlait beaucoup plus de gestion finance, d'économie. On était plus centré sur beaucoup de théories. La théorie de Maslow, bon, c'est bien, ça me sert toujours même dans ce que je fais. Mais je veux dire, il y a des choses qui ne me servaient pas vraiment. Et du coup, avec le temps, quand j'ai fini mes 2 années de cursus, je me suis réorientée vers la tech. Voilà. La technologie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Parce que j'étais curieuse de savoir ce que ça fait d'être une femme, surtout d'être dans la technologie. Du coup, il faut savoir que parfois, je me laisse guider très souvent par ma curiosité. Du coup, je me suis lancée dans les études de la tech pour comprendre un petit peu. Déjà, j'ai commencé par être développeuse web. So, j'ai commencé à faire des applications, des sites web, des applications sites web, maintenance, donc tout ce qui va avec. Et puis, donc j'ai appris des langages comme. Attention. J'ai appris des langages comme HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP. Je ne vais pas vous perdre dans tous ces langages, mais voilà, j'ai appris ces choses. J'ai essayé de le pratiquer dans le cadre du travail, mais à un moment donné, j'ai trouvé ça un petit peu ennuyant parce qu'on refait, 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 refait toujours la même chose. Et moi, j'ai toujours besoin d'être boostée. J'ai toujours besoin de mouvement dans la vie. J'ai besoin de. Il faut que ça bouge. Je suis ce genre de personne. Et là, j'ai décidé de me diriger vers ce qu'on appelle chef de projet. Donc, j'ai retapé encore une autre formation scolaire pour devenir. C'est-à-dire que j'ai eu à accumuler des cursus finalement qui m'ont dirigé vers là où je suis. C'est-à-dire que qui n'avaient plus ou moins rien à voir avec ce que je fais. Et finalement, quand je me suis dirigée vers chef de projet, parce que je voyais l'aspect leadership et ça me permettra de travailler plus sur ce côté. Donc le management que j'ai appris dès la fac. Donc j'ai rayé le tout en fait pour devenir chef de projet. Donc, chef de projet digital, chef de projet web. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pourrais même être chef de projet chantier parce que j'ai déjà la base en fait de la gestion du projet, des projets. Et ça, peu importe le type de projet. Donc, je peux facilement m'adapter en fait en apprenant un petit peu sur le domaine précisément. Et puis, c'est parti. Et puis, à côté, je suis entreprenante. Hein. J'entreprends. Merci de tapoter l'écran maximum. Je suis entrepreneuse dans la livraison de nourriture africaine, précisément. Je fais de la distribution alimentaire. Voilà ce que je fais à peu près. Je sais que je me présente très peu sur les réseaux sociaux, mais c'est important parce que ça va vous permettre aussi de savoir qui vous avez en face et surtout comprendre tout ce que je vous donne comme enseignement, d'où je tiens tout ça. D'accord? Je suis en train de vous lire, j'arrive. Littéralement, ça s'appelle attraper liquide, normalement, blablabla. Ouf. Je voudrais avoir un coaching privé avec toi. Comment ça se fait? Bonjour, Binta. Je suis très ravie de te lire, très chère. Écoute, il faut simplement envoyer un message au cabinet de conseil. Je vais essayer de voir si je peux vous. Hop. Je ne sais pas comment je vais faire. Juste une seconde. Le temps pour moi de copier le numéro et de le coller ici. Merci de tapoter l'écran entre-temps. Je relis vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Merci de tapoter l'écran entre-temps. Je relis vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Et bien voilà, je suis là. Je ne sais pas si vous le voyez dans les commentaires, mais je vais essayer d'appeler le numéro. Comme ça, vous êtes sûr de tomber sur moi. Vous êtes sûr en fait d'avoir un coaching ou un accompagnement avec mon cabinet de conseil. C'est le 0033, donc l'indicatif français, 0033, 0033, j'espère que c'est bien pris, 7 79 16 22 59. Je répète, 0033 7 79 16 22 59. Et c'est mis dans les commentaires. Pour ceux qui n'étaient pas là, je reprends. Pour un besoin de coaching, un développement personnel, un art oratoire ou même simplement un suivi d'entreprise, vous aider à lancer vos projets, accompagné également par nos experts. Il faut savoir que je ne suis pas la seule sur le coup. Je travaille avec des professeurs d'université
un qui est professeur d'université présentement à la Sorbonne, qui vous accompagne, c'est un expert dans son art, que ce soit dans vos projets entrepreneuriaux ou simplement dans l'art oratoire ou même dans le développement personnel. Nous sommes plusieurs sur le coup. Donc 07, pour ceux qui sont en France, 07 79 16 22 59. Et pour ceux qui sont à l'international, c'est 00 33 7 19 16 22 59. C'est ça le numéro. WhatsApp uniquement. Bravo pour ce éclaircissement éducatif, c'est un signe d'intelligence. Je ne trouve pas que, honnêtement, et puis j'en ai pas vraiment honte. Je veux dire, je ne trouve pas que je suis. Parce qu'il faut savoir qu'en grandissant, hein, il fallait que je sois médecin, comme mon père, pas parce que ça m'a été imposé, mais parce que j'ai été influencée par le travail de mon père. Et je viens d'une famille où mes parents sont très ouverts d'esprit. Mon père me disait, c'est bien d'être médecin. Mais en tant que femme, je te vois apporter beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que lui, ce qu'il faisait, il était déjà fier, parce que mon père, il a beaucoup donné pour ce métier-là. Et je vois tout ce qu'il faisait pour les gens en Guinée. En tant que, donc avant sa mort, en tant que directeur d'hôpital, je vois qu'il avait beaucoup de charges. Et tout ça, en fait, m'animait. Je me disais, je voudrais être comme lui, être directrice d'hôpital, d'un grand hôpital un jour, soit en Afrique ou quelque part en Europe. Mais en tout cas, j'étais très incitée par ce qu'il faisait. Et un jour, il me regarde, il me dit, Adja, c'est bien. Enfin, chez moi, on m'appelle comme ça. Il me dit, c'est très bien. Il dit, mais je pense que tu peux apporter beaucoup plus que moi. Je pense que tu peux apporter beaucoup plus que ça. Et moi, je voyais pas. Je dis, mais attends, directeur d'hôpital, tu veux que j'apporte quoi de plus? Mais en fait, lui voyait beaucoup plus loin que moi. Donc avec le temps, je me suis dit, soigner les gens, c'est mieux, c'est bien. Mais je pourrais aussi soigner autrement. Et là, je me suis lancée dans le développement personnel. Il faut savoir que le développement personnel, je ne l'ai pas appris parce que j'ai voulu. Je n'avais même pas l'intention un jour de m'asseoir devant une caméra, parler aux gens. Non, ça ne m'intéressait pas du tout. Le développement personnel, je l'ai appris vers 2017, 2018. 2017, hein, quand je venais juste de terminer où j'étais au lycée, je ne sais plus. Hein. Mais je pense que je devais avoir 18, 19 ans quand j'ai découvert en fait le développement personnel. Et là, c'était un nouveau monde pour moi. Et là, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, que ce soit des problèmes, bien évidemment, un déséquilibre mental, des problèmes physiques, parfois des problèmes du développement personnel, mais ne savent vraiment pas comment traiter. Et là, je me suis rappelé de ce que mon père me disait toujours. Je me suis dit, c'est peut-être là que je pourrais apporter mon grain de sel. Ça n'a pas toujours été facile. Et le développement personnel, je l'ai appris pour moi-même à la base. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre ou pour apporter un coaching, nana. Ça ne m'intéressait pas tout ça. Je l'ai fait pour moi-même parce que je voulais grandir, je voulais m'améliorer, je voulais être la meilleure version de moi-même. C'est pour ça qu'il est très important d'apprendre. Parce que vous ne savez pas où la vie peut vous amener parfois. C'est très important. Si vous voulez faire quelque chose aujourd'hui, ne remettez pas demain. Beaucoup de gens se demandent comment je sais tout ce que je sais aujourd'hui dans le développement personnel. Mais bien évidemment que je me suis pris en avance, ne sachant même pas qu'un jour je serai là devant vous à vous parler. La plupart des choses que je prêche, c'est des choses que j'ai eu à appliquer dans ma vie. Des choses que je sais qui ne marchent pas, des théories qui sont basées sur des ceci, cela, des pensées, des œuvres qui n'ont pas fonctionné chez moi, je ne l'applique pas et je ne conseille pas aux gens. Quand je vous demande de lire, c'est parce que je sais que la lecture m'a aidé à avoir confiance en moi. La lecture m'a aidé à grandir. La lecture surtout m'a aidé à mieux m'exprimer qu'avant. Je vous ai dit quand j'étais au collège, j'avais du mal et j'avais honte de m'exprimer. De telle sorte que je n'avais pas d'amis parce que j'étais très moquée, je venais juste d'arriver de l'Afrique, j'avais un accent lourd. Malheureusement, si c'était là, à cet âge, je me fiche complètement de qui pourrait dire que mon accent est lourd, non. Et j'allais bâtir une vie qui va inspirer des millions de personnes là-dessus, j'allais pas avoir honte. Mais quand on est jeune, on n'a pas tous ces aspects de il faut être fier de sa culture, il faut être fier de soi. Je me suis laissée berner en fait dans ce piège. Ce qui fait que malheureusement pour moi, j'étais très complexée par ma façon de parler. Je me suis dit, ils se sont moqués de moi à l'école pour n'avoir, pour ne pas, pour... Le français, c'est compliqué, hein. Ils se sont bien moqués de moi à l'école parce que je ne savais pas m'exprimer. Ils verront un jour que je serai celle qui va certainement les apprendre à s'exprimer. Bon, c'est pas ce que je pensais non plus, mais je disais qu'ils verront un jour que je saurai bien m'exprimer en fait.
Pour moi, l'envie était là. Il fallait que ça sorte. Et puis, il faut savoir que dès mon jeune âge, à ma naissance, j'ai parlé beaucoup plus vite que la moyenne en fait des enfants, des bébés. C'est-à-dire qu'il y a un certain mois ou un certain âge, les bébés commencent à parler. Et moi, j'ai parlé beaucoup plus vite. Ça, c'est un des aspects qui m'a beaucoup marqué. Et au-delà de tout, j'étais un enfant qui parlait énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même ma mère, elle disait toujours, ah! Chaque personne qui venait à la maison, je m'intéressais à la personne. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ton mari? Pourquoi tu fais? Ah, parfois, ma mère, elle s'énervait. Tu es très extraverti, c'est bien, mais au point d'aller demander aux invités qu'est-ce qu'ils font. Parce que chez nous, beaucoup de personnes venaient visiter mon père, parfois les patients, parfois ses amis, parfois beaucoup de personnes. Et quand les gens venaient, moi, je m'intéressais beaucoup. Toujours. J'étais dans les pieds des gens, dans les pattes, en train de demander qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu savais que les avions, machin, dès que j'apprenais un truc, je leur disais, j'ai grandi comme ça. Bon, maintenant, je ne parle pas autant, mais je parle quand même, quoi. Ah, bonjour Fontaine. Madame, je vous aime énormément. Comme vous ne pouvez. Franchement, je vous veux. Merci beaucoup Flavie, c'est gentil. Vous êtes très adorable. Oh. Bonjour Fatama. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Jessica. Quel livre de développement personnel vous conseillez? Franchement, quand vous êtes dans vos débuts en développement, conseille de lire, surtout quand vous voulez entreprendre après, je vous conseille de lire Père riche, père pauvre. Non, 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 attention. Réfléchissez et devenez riche de Robert Greene. Qu'est-ce que je raconte? Réfléchissez et devenez riche. Robert Greene, c'est l'un des auteurs que j'adore, c'est pour ça que je le cite. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. D'accord? Ensuite, vous avez tout un tas de livres. Quand vous êtes en début de développement personnel, vous avez tout un tas de livres. Vous avez la semaine de 4 heures. En fait, en général, c'est des livres qui sont alliés, un petit peu combinés au business. Moi, les livres de développement personnel que je lisais, c'était plus ceux qui sont centrés sur une partie de développement personnel et aussi liés aux affaires. Parce que moi, je suis très passionnée des affaires. Bonjour. Une seconde. Je vous ferai, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un live. Je vous ferai une vidéo YouTube, notamment une courte vidéo sur les réseaux sociaux où je vous citerai tous les livres nécessaires. Si vous êtes dans les affaires, je vous citerai une catégorie. Si vous êtes dans le développement personnel, une catégorie. Si vous êtes dans la psychologie humaine, une catégorie. Je vais faire ça parce que beaucoup de gens me demandent et je pense qu'il est plus que temps qu'on en parle. Bonjour Dan. Bonjour, Madame Fantin. Vous allez bien? Bonjour. Bien, merci, je vous écoute. Ouais, ça va. En fait, c'est juste que l'autre fois, j'étais très content d'être avec vous, hein, avec Monsieur Zézé. Mais seulement, j'étais limité avec des idées. Alors maintenant, aujourd'hui, je vous vois en ligne. Du coup, je voulais un peu poser certaines de mes questions qui me tracassent en quelque sorte. D'accord. En fait, je suis en train de monter une petite boîte là, mais bon, il y a des idées, pas même des idées, mais certaines choses qui m'échappent, notamment comment me lancer en termes de budget, en termes de recrutement, beaucoup de choses en fait. Alors, je ne sais pas si ça vous dirait de répondre à certaines de mes questions maintenant là ou soit c'est. C'est peut-être passé par votre démo deal que vous proposez aux gens, je ne sais pas. Hein. Alors, il y a trop de bruit, Dan. Autour de moi. Oui. Bon, j'essaie de me déplacer alors. Là, ça va? Je Voilà. vous écoute. Oui. Voilà. J'étais en train de dire ceci, que l'autre fois, j'étais avec vous, en ligne avec Monsieur Zézé. Alors, j'étais limité vu le nombre de passants et tout. Du coup, aujourd'hui, j'ai cherché à savoir en fait comment vous proposez vos cours en fait. Si, comme moi, je présente plusieurs questions à la fois, est-ce qu'il y a des modules des cours que vous proposez aux gens ou soit c'est seulement en ligne comme ça et puis on pose des questions? Non, non, non. Alors, pour l'instant, j'ai un cabinet de conseil qui s'occupe en fait de vous guider, que ce soit dans vos démarches entrepreneuriales
ou même encore dans votre développement personnel, vous aider à vous exprimer donc en art oratoire. Là, nous accompagnons, d'accord? Et nous L'idée, que ce soit dans vos démarches entrepreneuriales. de couper le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, nous vous accompagnons dans ce sens-là. Mais au-delà de tout, les cours ne sont pour l'instant pas disponibles. Bien évidemment que j'y pense, parce que vous me proposez également de faire des cours et de vous les mettre en ligne, d'accord? On y pense. Mon équipe et moi, on y pense. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cours disponibles. Mais par contre, il y a des accompagnements personnalisés. Vous aurez l'accès à moi ou un des membres de mon équipe dans le but de vous aider dans votre démarche. Si vous voulez, par exemple, atteindre vos objectifs, mais vous ne savez pas quoi faire, vous avez des projets, vous ne savez pas comment vous organiser ces sujets-là, il faut tout simplement contacter le cabinet de conseil. On s'occupera de vous dans ce thème. Si vous avez un business à lancer, vous ne savez pas comment s'y prendre, thème de marketing, en thème de stratégie, tout ceci est flou. On vous aide à, premièrement, clarifier ce que vous voulez. Deuxièmement, poser vos étapes à atteindre, donc vos visions, votre objectif, vos jalons. Et troisièmement, on vous aide aussi en vous donnant des clés, souvent des affiches, des marketing, tout un tas de choses à suivre en fait. Et puis, si vous souhaitez, bien évidemment, on fera une suivi en fait pour voir où est-ce que vous allez, où est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer. Voilà. On fait comment pour être en contact avec votre cabinet? Alors, c'est très simple. Il suffit de contacter. Vous êtes au Congo, c'est ça? D'accord. Je répète, le numéro de téléphone, il est dans les commentaires, mais je le dis quand même au cas où vous ne le voyez pas, parce qu'avec TikTok, c'est un peu bizarre. Il suffit simplement d'appeler le 0033. Je ne sais pas si vous avez d'autres invités. 0033 7 79 16 22 59. Je répète. 0033 7 79 16 22 59. Ça va. Ouais, ça va, merci vraiment. Je vous en prie, Dan, beaucoup de courage. D'accord. Bonsoir, 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 bonsoir. Je t'aime beaucoup, l'Afrique a besoin de vous. Merci beaucoup, je vous aime également. Merci beaucoup pour l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Vous êtes dans quelle ville de France? Par mesure de sécurité ou même de discrétion, je souhaite ne pas forcément donner de détails là-dessus. Mais je suis en banlieue parisienne, plus précisément dans le 92. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Je vais très bien, merci. Alors, une personne me demande comment se faire confiance. On va essayer de rapidement répondre à la personne. Qu'elle a perdu confiance en elle, je ne sais pas, à cause de sa famille, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais la première des choses qu'il faut comprendre vis-à-vis, en fait, de la confiance en soi, il faut premièrement prendre conscience, deuxièmement, il faut agir, et troisièmement, il faut une suivi derrière. Je m'explique. La prise de conscience passe par le fait de prendre conscience de qui nous sommes, des valeurs que nous avons, des principes que nous avons, des limites que nous ne franchirons pas. C'est-à-dire que vous vous faites face à un miroir, vous faites face à votre réalité, vous vous connaissez deep down en fait, vous vous connaissez et vous essayez de vous connaître, c'est le plus important. Une personne qui ne se fait pas confiance est une personne qu'on peut facilement malmener de n'importe quelle manière. Simplement parce qu'elle ne se connaît pas, simplement parce qu'elle a pas, elle s'est pas donné l'opportunité. Vous savez, parfois les gens vous font douter de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous avez, simplement parce que vous ne prenez pas le temps de reconnaître la personne que vous êtes. Moi, je vous assure que quelqu'un vient me dire aujourd'hui, Fanta, tu es ci, tu n'es pas ça. Je vais même pas t'écouter, ça va pas m'atteindre. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître mes parts d'ombre. J'ai appris à connaître mon côté positif, mon côté négatif. J'ai appris à connaître ma force, mes faiblesses, mes valeurs et principes. Donc, si une personne vient me dire que je ne suis pas ce que je pense que je suis, ça sera sa réalité à elle. Ça sera pas du tout ma réalité. Et ta réalité ne définit pas forcément ma réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que dans la tête, c'est déjà ancré.
Je ne peux pas me faire croire autre chose. Bien évidemment que je peux m'améliorer, bien évidemment que je ne suis pas parfaite, bien évidemment que je peux avoir des choses que je ne sais pas, des potentiels que j'ignore. Je ne parle pas dans ce cadre, mais je parle plus d'une personne qui vient nous dire que nous sommes autres que ce que nous sommes déjà. D'accord? Dans ce sens, je ne vais pas avaler cette réalité parce qu'elle ne me ressemble pas du tout. Et ça, c'est uniquement parce que vous avez appris, vous aurez appris à vous connaître. C'est la première des règles. Donc, si vous voulez vous faire confiance, apprenez à vous connaître. Un. Deuxièmement, la meilleure façon d'acquérir n'importe quelle confiance, c'est simplement en mettant du travail. Vous ne pouvez pas prier pour avoir confiance en vous si vous ne vous mettez pas au travail. Ce n'est pas du tout possible. Se faire confiance passe aussi par mettre en action ce que vous dites que vous êtes censé faire. La première des choses, ça passe par le fait d'honorer vos paroles. Quand vous dites que vous voulez faire quelque chose, faites-le. Ça vous donne un sens. À chaque fois que vous ne dites pas du tout ce que vous êtes censé faire, vous ne faites pas du tout ce que vous êtes censé faire, ce que vous avez dit que vous allez faire, mais vous ne le faites pas. Croyez-moi que parfois, ça procure ce qu'on appelle de la culpabilité interne. Et cette culpabilité, bien évidemment, votre confiance en vous prend un coup. Vous comprenez en fait que tout est lié au final, l'action, la pensée, voilà, la réaction. Donc, quand vous dites que vous voulez faire quelque chose, efforcez-vous à le faire. Si vous vous fixez des objectifs, efforcez-vous de chaque fois à faire au moins, en tout cas, essayez de faire au moins trois choses par jour que vous avez dit que vous allez faire. Ça vous donnera un sentiment de bien-être. Oui, je me fais confiance parce que j'ai pu faire ceci. J'ai dit que j'allais faire cela, mais je l'ai fait. Et ça fait vachement plaisir. Ça fait plaisir à l'ego. Tout ça, c'est psychologique, c'est interne et ça fonctionne. La seconde des choses pour se faire confiance vraiment dans la prise d'action, c'est l'éducation. Apprenez à apprendre. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, vous ne comprenez pas français, il n'y a pas de honte. Mais apprenez à vous renseigner auprès des personnes qui savent. Apprenez à vous renseigner auprès des personnes qui peuvent vous apporter un plus. Apprenez à constamment vous élever. Apprenez à être dans cette croissance intellectuelle. C'est très important. Et la croissance intellectuelle, ce n'est pas spécialement d'avoir un gros français ou d'avoir un diplôme ou de savoir parler français, rien de là. Moi, je connais des personnes qui ne savent même pas s'exprimer en français, mais qui sont extrêmement intelligentes. Des personnes auprès de qui j'apprends tous les jours, qui sont pétries de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout cela vous donne ce qu'on appelle de la confiance en vous. Déterminez votre façon d'apprendre. Je dis très souvent qu'il y a quatre façons d'apprendre. Il y a ce que vos parents vous transmettent. Il y a ce que vous donne votre maître, votre coach ou votre accompagnateur, votre professeur d'école. Il y a ce que vous apprenez vous-même à travers vos prises de conscience, ce que vous apprenez à travers l'analyse des situations, ce que vous apprenez à travers les problèmes des gens. Et pour terminer, il y a ce que vous apprenez à travers la demande que vous faites. Quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, ce que vous faites, quelqu'un monte ici, Fanta, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, est-ce que tu peux m'aider? Je te donne une réponse. Ça, c'est la quatrième manière d'apprendre. Merci de tapoter l'écran. Donc, c'est les quatre façons d'apprendre. Avec les parents, ce n'est pas toujours évident, mais il y a toujours moyen de gratter de la connaissance auprès des parents. Faites cela. Approchez-vous de vos parents. Maman, comment t'as fait pour diriger ton mariage? Ou papa, comment t'as fait pour diriger ta femme, tes enfants? Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une façon d'apprendre. Apprenez à apprendre. Mettez en place ces quatre stratégies. Et dites-vous de quelle manière je vais apprendre quoi? C'est comme ça qu'on apprend. La quatrième façon d'apprendre, ne sous-estimez jamais cela. Il faut toujours demander. Moi, je demande beaucoup. Il faut toujours demander. Si vous voulez apprendre, apprenez à mettre l'ego de côté. Demandez aux gens. Parfois, des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que vous peuvent vous enseigner, peuvent vous amener très loin, peuvent vous faire comprendre des choses que vous ne savez pas du tout. Moi qui est plutôt dans le monde de la tech, je rencontre des jeunes de 20 ans, parfois, en tant que chef de projet. Parfois, ils m'apprennent certaines choses sur mon métier. Il n'y a pas de honte. 20 ans. Des geeks, des gars, ils sont extrêmement bons. Ils te font des robots à l'intelligence artificielle, ils te font des trucs, c'est juste incroyable. Tu apprends aussi. Ce n'est pas parce que je suis chef de projet que je vais prendre la grosse tête. Non, il n'a rien à m'apprendre, mais c'est fort. Parfois, enfin, je me rappelle, hein, des gars avec qui je travaille,
me dit, Madame, est-ce que tu sais comment on utilise tel outil? Je pense que ça serait bien pour toi qui es chef de projet, pour diriger l'équipe, pour faciliter la communication. Et bien ça, je ne savais pas. Il m'envoie le truc de l'intelligence artificielle, là, je me suis dit, du AI, je me suis dit, waouh, apprenez à prendre des gens. C'est parce que je lui ai exposé mon problème. Je dis, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, et ça m'embête un petit peu, notre façon de communiquer, c'est pas très. Je dis, Madame, utilisez ça. Puis voilà. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord? Donc, n'aie pas peur d'apprendre auprès des gens, même quand ils ont 20 ans, même quand ils ont 15 ans, ils savent des choses que vous ne savez pas. Se remettre en question est une faiblesse dans le processus de la confiance en soi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais seules les personnes humbles et les personnes fortes d'esprit arrivent à se remettre en question. C'est très facile de blâmer les gens, vous savez, quand vous avez des problèmes. C'est très facile. Oui, c'est mon père qui m'a pas donné l'opportunité d'agir comme ci. C'est ma mère qui m'a fait ceci. C'est très facile de regarder les autres. Mais je vous assure que la sagesse, c'est également d'être capable de se remettre en question. C'est-à-dire que si mon mariage a échoué, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pas su faire les bons choix. Si mon mariage a échoué, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pas su être à la hauteur. Je suivais mes envies, mes émotions plutôt que la raison. Parfois, remettez-vous en question, c'est très important. Et la meilleure façon de se remettre en question, c'est en faisant de l'introspection. Allez dans la nature, quelque part pour vous ressourcer. Sortez, allez faire je sais pas moi, allez vous ressourcer, même dans les cabanes, dans les maisons à cabanes que moi j'adore personnellement. Allez dans la nature. Prenez un week-end dans un hôtel, seul, face à vous, votre réalité. Je sais que vous êtes salarié, ça ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon mariage, c'est un peu bancal. Mon mari, c'est toujours des disputes. Boum! Prends un hôtel, va réserver. Reste là, réfléchis. Fais un flashback. Déjà avant d'y aller, pour ceux qui sont par exemple dans des relations, dans des mariages par exemple, ici, l'idéal serait simplement pour une démarche justement de prise de conscience personnelle, de se remettre en question surtout, parce que parfois, sachez que quand vous vous remettez en question, à 90% des cas, vous arrivez à résoudre les problèmes que vous avez par vous-même, sans que vous n'ayez besoin en fait d'aide externe. Simplement vous remettre en question, chose que beaucoup de personnes ne font pas. Quand vous êtes une femme, par exemple, vous avez souvent des problèmes avec votre mari dans la maison. Ça va pas, c'est tendu. Métro, boulot, dodo, vous en avez jusqu'à la gorge, vous êtes fatigué, tout ça. Vous voulez faire de l'argent, mais vous ne savez pas quoi faire. Ici, je vous recommande, dans une démarche de développement personnel, je vous recommande simplement dans un. Et c'est une des choses que je conseille à mes clientes aux clients qui me consultent, c'est de réserver un hôtel. Aller dans un endroit aussi lointain que possible. Réservez un hôtel pour un week-end, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, quand vous voulez. Mettez-vous bien. Ramenez une feuille, ou pas une feuille, ramenez un petit carnet, deux stylos au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Et ensuite, laissez tout ce qui est ordinateur, paperasserie, à la maison. Vous pouvez partir avec votre téléphone. Là, ce que je vous demande, que ce soit dans la nature, quelque part, dans une maison à cabane ou même dans un hôtel, c'est de prendre, pendant ce week-end, c'est de prendre des heures de s'asseoir. Non seulement que vous vous aurez mis ou mise bien, mis à part ça, c'est de s'asseoir. Réfléchissez. Citez tous les problèmes que vous rencontrez actuellement, depuis que vous vous êtes connus. Tous les problèmes. C'est-à-dire que citez-moi tout. Faites plusieurs colonnes. La première colonne, c'est la colonne de conséquences. Regardez tous les problèmes que vous avez eus, les conséquences, les retombées, tout ce qu'il vous a dit. Tout ce qui vous, comment il vous a traité, s'il vous a frappé ou s'il ne vous a pas frappé, même si c'est votre partenaire d'affaires, tous les problèmes, peu importe le type de relation là, hein, marquez tout. Dans la deuxième colonne, vous marquez à chaque problème, à chaque conséquence reliée à une source, chaque conséquence reliée à une source. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes disputé jusqu'au point de s'insulter en tant que relation, que ce soit entre votre famille maintenant ou votre mari ou peu importe, on s'est disputé jusqu'à s'insulter. Ça, c'est la conséquence. Cause. Cause déclencheur. Quelle a été cette cause déclencheur? Vous marquez également. D'où vient ce problème? Parfois, vous ne savez pas. Et je vous assure, tu as le même accent que Ramayad. Mais pourquoi tout le monde dit que je parle comme... Merci beaucoup. Mais bizarrement, moi, je trouve pas du tout. Mais bref. Et vous voyez, donc, marquez toutes les causes qui peuvent être la source des problèmes.
C'est très important. C'est un bon départ. Moi, rien qu'avec cette fiche, cette réponse, je peux facilement trouver la source des problèmes des gens en général. C'est ça. Et puis, il faut être très honnête avec soi-même. Ça ne sert à rien de se mentir. J'ai un problème chaque fois avec mon mari parce que je hausse le ton. J'ai un problème à chaque fois avec mon mari parce que je suis disrespectful, je suis irrespectueuse. Ou j'ai un problème avec lui parce que je ne sais pas communiquer parfois ma frustration. Je préfère crier. Il y a des personnes avec qui c'est impossible d'avoir une conversation. C'est énervant. Moi, quand je repère ce type de personne, je dis simplement, ça y est, je ne veux pas parler. Je m'éloigne. Je ne parle pas avec des gens qui ne comprennent pas, qui ne font pas l'effort surtout de comprendre, qui sont basés, centrés sur l'ego. Moi, moi, moi. Ah non, ça fout la haine. Donc, c'est important parfois de se dissocier et de se dire la vérité. J'ai un problème avec telle personne simplement parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que je suis un peu insolente, parce que je ne sais pas, parfois beaucoup de frustration. Vous pouvez vivre avec une personne dans la même maison, la personne ne fait pas, je ne sais pas, ne vous aide pas quand vous faites la vaisselle, par exemple, lui demander, chérie, est-ce que tu peux aller chercher l'enfant à l'école? Il te dit, non, ce n'est pas mon devoir. C'est des choses qui peuvent frustrer. Je ne suis pas du tout dans le développement amoureux, machin, ce n'est pas mon domaine, mais je sais qu'en termes de relations humaines, parfois nous avons tous plus ou moins des frustrations, même entre frères et sœurs, même entre mère et enfant. Mais il faut savoir communiquer. C'est pour ça que c'est très important de savoir communiquer. Il faut savoir communiquer. Je ne suis pas parfaite non plus, hein. Je n'ai pas forcément l'art et la manière de excellemment bien communiquer, mais j'essaye. J'essaye. J'essaye beaucoup. Il faut comprendre également un aspect qui est très important dans vos relations humaines, qui est les langages, les cinq langages de l'amour. Ça vous permettra de comprendre l'autre, de comprendre comment vous pouvez l'aimer, de comprendre comment vous pouvez lui parler, de comprendre comment vous pouvez lui faire des reproches. Très important, très important, très important. Une fois que vous aurez compris tout ça, ce serait beaucoup plus facile de faire face aux gens. En cas de dispute, même en cas d'amour, quand vous voulez leur mettre bien, il y a des gens simples, ils peuvent pas aller très loin dans des relations, par exemple amoureuses, simplement parce qu'ils savent pas, they don't know how to deal with people. Enfin, ils savent pas comment traiter les gens qui sont face à eux. Tu peux avoir un partenaire ou une partenaire qui, elle, ça, la meilleure façon de se sentir aimée, c'est en lui faisant des cadeaux. Il y en a une, la meilleure façon de l'aimer, c'est en se sentant appréciée par soi. C'est-à-dire qu'elle aime qu'on dise, oui, chérie, tu fais bien. Je suis très fière de toi. Et des femmes, elles aiment que ça, en fait. Et toi, si tu ne sais pas comment t'approcher, toi, tu ne sais pas comment t'entre... C'est-à-dire que tu ne sais pas comment exprimer, en fait, son langage pour qu'elle puisse comprendre et qu'elle puisse se sentir dans le game, je vous assure qu'il y aura frustration. Et ça, c'est pas trop. Donc, parfois, éloignez-vous de tout. Prenez, lâchez prise. Avant d'aller, par exemple, si vous décidez d'aller à l'hôtel ou même dans un endroit pour faire de l'introspection, voici ce que je vous suggère toujours. Prenez le soin d'abord une fois par mois. Si vous avez un problème avec votre soeur, votre mari, peu importe, prenez le soin au moins une fois par mois. Amenez votre mari ou votre soeur ou votre mère, peu importe qui c'est, dans un endroit, que ça soit proposer une sortie. Dans un endroit très calme, ça pourrait être un restaurant, en tout cas pour discuter. Jouer carte sur table, manger très bien. Vous invitez la personne, écoute, j'aimerais que tu me parles. Qu'est-ce que je fais que tu me dis? Moi, je le fais toujours dans mes relations, toujours. Je demande toujours aux gens, qu'est-ce que je fais de bien que tu aimes? Qu'est-ce que je fais de mauvais que tu n'aimes pas? Enfin, la personne exprime. Tu sais, je t'apprécie, mais parfois, j'ai l'impression que tu traites ceci et ça fait que je... Tu sais, l'harmonie, déjà, l'ambiance, tout est bon. Et quand tu envoies la personne, déjà que tu payes pour la personne, que ce soit femme ou homme, c'est pas important, et que tu l'amènes surtout à communiquer, à exprimer, la personne se sent considérée. La personne se sent aimée, valorisée. Je vous assure que c'est très beau. Qu'est-ce que je fais qui te déplaît? Qu'est-ce que je fais de bien ou de mauvais? Expliquez-vous. Moi, mes disputes, et ça, peu importe mon type de relation, ça va jamais très loin, jamais très loin. Même quand je me dispute avec des gens, c'est un moment précis. Je vais jamais très loin dans les disputes. Un tout petit peu. Et je fais pas de disputes non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. Ceux qui me connaissent savent très bien. Parce que j'apprends à connaître l'être humain. J'apprends à gérer les conflits. C'est très important. C'est un des aspects de mon métier dans la gestion de projet. On apprend à gérer l'équipe. On apprend à gérer les gens. On apprend à gérer le sentiment des gens. On apprend à développer beaucoup plus d'empathie. Et
J'apprends aussi à moins dominer l'ego. En tant qu'être humain, c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons. Même moi, je suis confrontée à ce challenge. L'ego, comment est-ce qu'il peut me parler comme ça? Il m'a pris pour qui d'ailleurs? Il sait qui je suis. Le qui je suis, c'est ça qui tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations. Mais si vous apprenez à mettre l'ego de côté, avoir plus d'humilité, je vous assure que si vous apprenez les bases d'une bonne gestion de relation, il y aurait moins de divorces. Bien évidemment que vous allez tomber sur des personnes qui sont, excusez-moi de dire ça, qui sont de vrais crétins. Et là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais si vous êtes vraiment dans une démarche de bonne volonté de bien faire, vous pouvez travailler là-dessus. Vous n'avez pas besoin de faire intervenir tel membre de la famille, machin, pour régler vos problèmes de famille. C'est quoi cette histoire? Honnêtement. Et ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend par la lecture, ça s'apprend par la connaissance, ça s'apprend par beaucoup de choses. Donc apprenez à gérer vos relations. Je pense que je ne fais pas assez de vidéos là-dessus, mais c'est très important. Que vous soyez dans un cadre professionnel, dans un cadre amoureux, dans le cadre du mariage, vos soeurs, vos familles, apprenez à bien gérer vos relations. Très important. Moi, je suis une personne, je peux aller très vite en freestyle. Je peux aller très vite en freestyle, mais en même temps, j'arrive à calmer les tempéraments. En même temps, c'est très bizarre, mais en même temps, j'arrive à gérer les conflits. Et l'une des chances que j'ai, du moins une des choses que j'essaie de cultiver, c'est de la communication. Quand ça va pas du tout avec mes proches, que ça soit un thème de relation, un thème de famille, je discute toujours. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Qu'est-ce que tu penses que je devrais améliorer? Et la personne, vous verrez que la personne, si elle n'est pas hypocrite, souvent, dans ce genre de circonstances, les gens sont très francs. Ils te disent, j'apprécie. Et tu verras même la personne te dire, tu as ce côté que j'aime bien, mais ce côté, il va falloir travailler là-dessus. Et dans cette ambiance, je vous assure que là, tout ce que vous retiendrez, automatiquement, vous allez l'appliquer. C'est fou, mais ça marche. Essayez ça. Que ce soit avec votre mari, vos soeurs, vos frères, vos cousins, peu importe. Si vous avez des ennuis, amenez la personne quelque part, discutez, que ce soit dans un restaurant. Dites à la personne, qu'est-ce que je fais que tu n'aimes pas? Et tu dis à la personne, tu sais pourquoi j'agis comme ça? C'est parce que parfois tu ne considères pas ce que je dis, parce que parfois tu es très occupé. Parfois, il faut parler. La meilleure façon de résoudre n'importe quel problème ou conflit, il faut parler. Parler, parler, parler. Mais si vous ne parlez pas, chacun a fait à sa sauce. Il pense qu'il a de l'ego. Je vais lui montrer qu'il n'est pas le seul. Et c'est parti en cacahuète. Donc, ce n'est pas du tout bon, OK? Merci beaucoup pour vos compliments. Je vais devoir vous laisser. J'ai un rendez-vous. Mais c'est un plaisir. Un plaisir. J'arrive, c'est très intéressant. Merci à vous. Merci de tapoter l'écran. Pour ceux qui n'étaient pas là et qui me demandent à chaque fois comment faire pour contacter le cabinet de conseil, il suffit simplement de contacter. Je vais essayer de retrouver le numéro. Si vous avez le numéro, est-ce que vous pouvez le marquer? Voilà, c'est bon. 0033 pour contacter le cabinet de conseil pour un accompagnement, un art oratoire, une prise de parole en public. Bon. Pareil, hein. Un entrepreneuriat vous aide à lancer vos projets, vous suivre dans vos projets, mais également pour un conseil en développement ou un accompagnement en développement personnel. Il suffit de contacter le 0033 07 79 7, non, 0033 7 79 16 22 59. Je répète, 0033 7, 79, 16, 22, 59. Et puis voilà. Donne-moi des conseils pour t'inviter à dîner. Je suis très flattée par vos invitations, les gars, mais malheureusement, je vais devoir décliner. Vous êtes très gentils. Bonjour homonyme, je te suis depuis Bordeaux. Coucou ma chérie, comment ça va? Je suis très ravie. J'ai besoin d'un coach, ces médailles l'adorent. J'ai pas compris. Bon, j'ai un problème, les gens trouvent que je parle beaucoup. Comment faire? Il faut simplement garder ta langue, avec tout le respect que je te dois. Si tu penses que les gens pensent que tu parles beaucoup, c'est effectivement très ennuyant.
Après, ça dépend de ce que tu dis. Vous savez, si vous voulez garder un certain charisme dans la vie, il faut savoir parler, mais il faut savoir aussi quand se taire. Il est beaucoup plus important de savoir quand se taire que quoi dire. Je répète, il est beaucoup plus important et sage de savoir quand se taire que quoi dire. Très important. Le fait de tout le temps trop parler vous démystifie parfois. Parfois, sachez quoi dire, mais gardez. Et un secret que je vous donne, que ce soit dans l'art de la prise de parole en public ou l'art de l'influence avec les gens, en tout cas, ça fonctionne beaucoup dans la psychologie humaine. Quand vous parlez aux gens, donnez, mais laissez les gens sur leur faim. Il faut jamais tout donner. Il faut jamais tout donner. Même quand vous conseillez, donnez le plus que possible. Parce que vous finirez toujours par recevoir, que ce soit un thème d'argent, un thème de relation, un thème d'influence, c'est très bien de donner. Mais ayez également l'art, je l'enseigne hein, dans mes accompagnements, ayez également l'art de laisser les gens sur leur faim. Ça fait qu'on va toujours vous recontacter, ça fait qu'on aura toujours besoin de vous. Que vous arriverez, est-ce que vous m'entendez? Ça fait que vous arriverez à attirer les gens comme par hasard. Madame Fantôme, Monsieur moi je suis de retour. Je vous ai entendu parler d'un sujet un peu sensible, les silences. D'accord? Et puis en fait, je me dis, d'après l'expérience acquise et autres, je pense que les silences détruisent l'intérieur. Le silence est? Je pense que les silences détruisent l'intérieur. Dans quel contexte? Voilà, puisque vous êtes silencieux, vous savez, quand des fois on est soulagé par nos émotions, donc lorsqu'on est par exemple frustré, provoqué, et on se déverse. D'ailleurs, dans les cas où on a un problème et on prend tout son temps de pleurer, et après on se sent soulagé. Pourquoi? Parce qu'on a exprimé ses émotions par les pleurs, en fait. Et donc, répondre par les silences et tout, je pense que c'est un peu c'est privé de cette guérison interne. J'ai parlé de répondre par le silence. Comment, je ne sais pas, à peine de vous trouver, vous parlez du silence et puis vous dites, vous venez de dire que de répondre en fait par les silences, je ne sais pas, quelque chose de comme ça. Vous savez, il y a des cadres dans lesquels il vaut mieux répondre par le silence, comme le cadre d'un manque de respect. Quand vous êtes avec des personnes qui ne vous respectent absolument pas, l'une des meilleures armes que moi je recommande, c'est le silence et la distance. Si vous voulez imposer automatiquement le respect, gardez votre bouche. Surtout quand vous êtes auprès des personnes qui ne vous respectent pas. Et si je garde pas, on garde le silence dans ces circonstances. La personne qui dit qu'elle parle trop, du coup tout le monde le dit et elle ne se fait pas respecter, effectivement, tout ce qui est de trop est mauvais. Tu peux parler, ça ne veut pas dire qu'il faut trop parler. Et garder le silence, ce n'est pas ce que je veux dire par là. Tu peux parler, mais dire le nécessaire. Apprendre à laisser les gens sur leur faim. Parler avec beaucoup d'élégance, mais surtout avec beaucoup de subtilité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours obligé de tout dire. Et c'est totalement différent du silence. Vous pouvez mieux vous exprimer, un peu dire, mais pas trop dire. C'est pas pour autant que vous êtes silencieuse, non. Le silence, c'est pas forcément la meilleure des options. À moins que vous êtes face à une personne qui est très impolie. Là, je vous recommande de garder le silence et la distance. Si vous vous repérez comme ça, que ce soit dans votre lieu de travail ou même chez vous, ou même un mari ou une femme qui ne vous respecte pas en tant que femme, je pense que la meilleure des punitions qui existent, les études l'ont toujours prouvé, essayez de garder le silence et la distance. Ça frustre n'importe quel humain. Ça J'avais une frustre question. n'importe quel humain. Le silence. Alors attention, ne punissez pas les gens pendant longtemps parce que vous risquez de les habituer non plus à votre absence. Les gens qui aiment bien jouer au fuis-moi, je te suis. Un certain type de manipulation à la con, effectivement, ça marche au bout de 2 semaines, un mois. Mais à un moment donné, les gens t'oublient, quoi. Moi, ces histoires de fuis, moi, je te suis, tu me fais ça, je te mets dans la poubelle, c'est terminé. Je ne joue pas du tout à ça avec qui que ce soit. Et tu essayes de jouer à ça avec moi, surtout quand je le pressens, je le sens, c'est terminé. Je t'ignore.
Ton jour que tu as commencé, je vais terminer ça. Aussi simple que ça. Donc, c'est bien. Mais les relations humaines non plus, ne voyez pas les gens comme des jouets. Soyez sincère dans votre démarche. Si ça marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Comprends. En fait, vous avez totalement raison, mais en fait, je suis dans un cas, vous permettez? Bien sûr. Donc, il y a un de mes contacts sur WhatsApp, il essaie un peu de m'élancer, en fait, de me mettre à l'épreuve avec ses posts et tout. Le problème, c'est que je suis dans une situation là très très compliquée, c'est-à-dire que je me suis livré à une conduite un peu dérecommandable et tout. Et lui, il se sert de cette situation-là pour me provoquer, pour savoir mon point de vue à travers ses posts et tout. Et ça fait un bout de temps où je suis silencieux et tout, mais là, je suis à bout de mes nerfs. Du coup, vous pensez que la meilleure façon de résoudre cette situation-là, c'est de continuer toujours dans ces silences ou c'est de trouver C'est vraiment, une défense? est-ce que si vous faites pas, si vous restez sur la défensive, est-ce que vous avez grand à perdre? Est-ce que vous avez beaucoup de choses à perdre? Non, mais seulement à chaque fois qu'il me lance en fait ses posts, j'ai l'impression comme si j'ai plus d'arguments que ce qu'il poste. J'ai envie de Mais attendez, répondre en fait, c'est est-ce ça que vous avez peur de ouais. faire quelque chose avec ce qu'il sait? Parce que parfois, je dis très souvent qu'il y a des guerres qui ne méritent pas du tout combat. C'est pas, on mène pas toutes les guerres. Parfois, surtout quand vous savez que vous avez gros à perdre, on se recule. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez grand à perdre en fait avec ce qu'il dit ou ce qu'il dira? Non, pas forcément. Si vous pensez que vous n'avez rien d'aussi grand à perdre avec ce qu'il dira, je vous recommande de lui faire face. La première des choses, faites-lui face. Dites-lui pourquoi est-ce que tu m'harcèles. Je sais que tu parles à moi. Il faut jouer parfois carte sur table avec les gens. Je me sens très visée dans ce que tu dis. Je voudrais que tu arrêtes de te comporter ainsi. Si tu as un problème avec moi, tu le règles. Parfois, les gens abusent de vous émotionnellement simplement parce que vous n'avez pas le courage de dire les choses. Allez jouer, allez parler avec lui. Écoutez, j'aime pas du tout comment vous vous adressez, j'aime pas du tout. Moi, tout. Bon, après, moi, je me sens pas forcément visée dans les statuts des gens parce que je ne suis pas susceptible pour dire oui, si tu. Non, je suis pas comme ça. Mais si vous pensez réellement qu'il te vise, il faut lui faire comprendre. Écoute, je me sens visée par ce que tu dis. Et si tu vois, en fait, qu'il ne veut pas du tout comprendre ces techniques-là, je te recommande de jouer le jeu avec lui. C'est pas forcément sain comme jeu. D'accord? Mais ça fonctionne. Des gens vis-à-vis des gens qui nous harcèlent, qui ne veulent pas du tout nous lâcher, qui ne veulent pas du tout nous laisser vivre en paix, c'est simplement de se servir de sa faiblesse également. Tu t'amuses encore une fois, je te mets dehors, aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je n'irai pas d'aller Je jusque-là parce que quand comprends. même, il y a une bonne dose de moralité qu'il faut avoir, qu'il ne faut pas franchir, mais essaie de jouer de ses Comprends. faiblesses. Je sais ça de toi, je connais ça de toi, j'ai ça de toi. Tu En joues le fait, jeu, toi. si c'est joué de... C'est de la pure Oui, suivez. manipulation, mais c'est pas forcément bon. Mais si tu vois que la personne ne te lâche pas du tout, parfois il vaut mieux faire des bras de fer, quoi. Ça Voilà. va, en tout cas, c'est intéressant. Voilà. Ça va, Mais merci ça, c'est beaucoup, mais uniquement je sors. quand vous êtes dans le cas extrême. Sinon, il n'y a pas spécialement besoin d'y aller aussi loin. Il faut simplement le faire asseoir, lui faire comprendre que tu te sens visé. Est-ce qu'il y a un problème? Qu'il t'explique. Sinon. Bingo. Mais si tu vois qu'après tout ça, il lâche pas, essaie de te servir de une de ses faiblesses. Tu dis, écoute, tu joues avec moi, je te mets dehors. Il va tout de suite se calmer. C'est justement ce qu'utilisent en général les politiciens pour faire taire ou même anéantir parfois les. Après, à vous de voir, à vous de juger. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Je pense que, d'après votre statut, ce serait mieux de nous proposer un livre, en fait, surtout un livre qui aborde les silences, Bien sûr, je le ferai. Je l'avais dit tout à l'heure, je le ferai. les cas, les situations et tout. Ça me serait très utile, hein, de ma part, en tout cas. Avec plaisir. Bonjour. Oui, bonjour, Voilà. Francisca. Ah, oui. Moi, ma question, c'est concernant le fait que lorsque tu es issu d'une famille et que tes cousins et cousines, en fait, plus précisément tes cousines,
disent des choses derrière toi. Parce que là, on parle de développement personnel. Voilà. Disent des choses derrière toi, y compris tes tantes. Voilà, qui font des choses derrière toi, comme une sorte d'hypocrisie, et que devant, on fait un genre. Voilà. Donc, moi, je. Souvent, on se met en retrait en se disant que non, bon, peut-être que si je me retire, on va résoudre le problème. Mais est-ce que là, est-ce qu'on résout le problème ou on habitue la personne à son absence ou bien c'est comment? Comment dans ce cas se comporter? Parce que la plupart des cas, moi, je m'éloigne de ces personnes, en fait. D'accord. Et Donc, je ne sais pas. si vous avez une preuve, en fait, que ces personnes passent leur temps à vous dénigrer derrière le dos, moi, à votre place, ce que je ferais, premièrement, c'est pas de jouer leur jeu, d'accord? La place, excusez-moi du thème, mais la place d'un chien, c'est derrière. La place d'un chien, c'est justement après vous. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui parlent derrière le dos, les gens qui passent leur temps à vous dénigrer, ils le disent jamais devant vous. Et ça doit vous procurer ce qu'on appelle de l'assurance. Ils voient en vous ce que vous ne voyez pas en vous. Ils ont de l'influence D'accord. sur vous sans le savoir. Les gens qui vous parlent derrière le dos, ce n'est rien d'autre que la lâcheté. C'est des personnes lâches. Et leur place est justement derrière votre dos. Maintenant, si vous essayez de regarder à peu près, d'être assez mesquin, de regarder ce qu'ils disent, machin, vous vous rabaissez à leur niveau, sans signe de grandeur. Quand on vous parle derrière le dos, sans signe de grandeur. Et vous devez apprendre à grandir avec eux. Ne pas regarder derrière vous, parce que leur place est derrière vous. Et là, ce que D'accord. vous pouvez faire, c'est d'être Oui. sur votre terrain, d'être la meilleure version de vous-même, de telle sorte que vous ne soyez pas du tout leur désir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je dis très Oui, souvent, mais oui. Excusez-moi, parce que actuellement, par exemple, actuellement à la maison, on vit ensemble. Vous voyez, on vit ensemble et je me mets, en fait, quand j'arrive, je suis dans ma chambre. Voilà, je suis dans ma chambre, j'essaie de travailler un peu sur moi. Mais dès qu'on sort, c'est du bonjour, bonsoir. Franchement, ce sont des situations qui ne sont pas du tout vivables. Donc, vous voyez un peu. Donc, souvent, il arrive de vouloir sortir de toute cette zone-là et d'être au top, en fait. Je comprends. Dans le cadre où vous habitez ensemble, c'est en effet très complexe. Mais écoutez, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous apprécier, à vous avoir dans leur clan ou dans leur troupe. Vous voyez ce que je veux dire? Si le problème, c'est que vous devez apprendre à travailler sur vous, sur D'accord. l'acceptation de vous-même, travailler de telle sorte que vous aimez d'abord votre propre compagnie. De un. Deuxièmement, si vous ne vous entendez pas avec les gens qui habitent dans la même maison que vous, ils font du commérage derrière vous, sortez ailleurs. Vous avez certainement des voisins qui seront bienveillants avec vous. Vous aurez certainement des amis. Vivez. En fait, ça va vous faire peur. Mais moi, je n'aurais pas de mal à vivre dans ce genre de situation. OK. Et à un moment donné, si vous avez l'opportunité de quitter, quittez. Allez ailleurs. Prenez une autre maison, bien évidemment, pour quitter cette mauvaise énergie. Mais moi, partout où je suis, je peux facilement vivre. Vous ne saurez premièrement jamais rien de moi. Et je vivrai là-bas. Vous allez me voir certainement bien habillée, sortir, rentrer, et puis ça sera tout. Entre nous, ça va, tu sais où j'ai mis ça? Non, je ne sais pas. Et puis ça sera beaucoup de classe. La distance qu'ils ont mise entre vous, en fait, utilise cette distance et fais-en de ta grandeur. Essaye d'aller au-delà de ça. En général, les gens qui font du commérage derrière vous, ils voient en fait de la grandeur en vous. Et parfois, quand vous n'êtes pas doté d'un esprit de sagesse, vous vous rabaissez à petit. Vous demandez ce qu'ils disent derrière vous. Vous commencez à agir d'une certaine façon. Vous vous énervez même. Moi, je me fiche pas mal de qui pourrait parler derrière moi avec tout le respect que je peux avoir pour ces personnes-là. Je suis qui D'accord. je suis. Et nul ne me fera changer d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'accepte cela. Qui je suis pour changer? Et puis, je vais être certaine. Moi, aujourd'hui, quelqu'un vient me voir. Fantan a dit ça derrière toi. Je me fiche pas mal. Ils ont dit derrière moi, c'est que leur place se trouve là-bas. Et puis, ça s'arrête là. Je ne vais même pas chercher à savoir qui a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit. Ça m'intéresse pas. Parfois, il faut apprendre à se mettre déçu des situations. Je veux dire, ça, c'est des problèmes minimes. Les gens ont pas mal de problèmes. Les gens ont des problèmes de 1 milliard d'euros. Les gens ont des problèmes de comment bâtir des maisons. Enfin, je veux dire, c'est pas de qu'est-ce qu'ils vont dire derrière mon dos qui va m'arranger. Je veux pas savoir. Donc, ne cherchez pas. D'accord. Cherchez à créer d'autres connexions bienveillantes et rassurez-vous que ces personnes qui sont avec vous
dans la maison ne sont pas en liaison ou en relation avec d'autres personnes que vous connaissez. De telle sorte que, parce qu'en général, dans ce type de situation, l'énergie est très toxique. Donc, préservez-vous, préservez votre vie et surtout préservez tout ce qui peut être de vous, de telle sorte qu'il ne sache rien de vous. En tout cas, rassurez-vous, il faudrait qu'il vous voit toujours bien habillé. Extrêmement. C'est que vraiment dans votre, la, dans vos meilleurs des états, en fait. D'accord. Y crois-moi. Ça fait vachement. Voilà, joue là-dessus. On ne peut rien faire. D'accord. Quand les gens sont en train de faire des commérages, il faut simplement accepter comme tel. Il ne faut pas savoir ce qu'ils disent derrière toi, mais ce qui est sûr, leur place est derrière le dos. Mais toi, D'accord. ce que tu peux faire, c'est de travailler sur toi. De travailler sur toi, que ce soit ton éducation, ton développement personnel. Si tu veux faire des affaires, fais-en. En tout cas, essaye de les montrer toujours qu'ils ont eu tort, en fait, de te dénigrer. Donc, mets-toi sur ton 31. Essaye de devenir la meilleure version de toi. Si c'est l'argent, cherche-en. Si c'est l'influence, je ne sais pas ce que tu recherches, mais cherche-en. Multiplie fois 10 parce qu'ils voient une grandeur en toi que toi, tu ne vois pas en toi-même. C'est pour ça que tu dois travailler sur toi pour te rehausser davantage. Ça va leur faire chier, crois-moi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, Francisca. Sur ce, on tend vers la fin de ce live. Je suis très ravie de vous avoir. Je vais devoir vous lâcher, j'ai rendez-vous. Je vais aller me mettre bien moi aussi. Tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est pas une vie. Enfin, c'est une vie parce qu'on arrive à apporter de l'aide aux gens. Mais au-delà de tout, il faudrait que moi aussi je vive, quoi. Donc, j'allais. Où est-ce que je vis? Donc, c'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Surtout, prenez soin de vous. Ne vous souciez pas des gens qui font du commérage derrière le dos. La place de ces personnes, c'est derrière vous, justement. Voilà la raison pour laquelle ils passent leur temps à vous parler derrière le dos. Et ne passez pas votre temps à être mesquin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec qui ils ont. Non, 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 moi, je m'en fous. Et si on me dit qu'on a parlé derrière mon dos, je ne veux pas savoir qui parle derrière mon dos. Leur place est derrière le dos. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne serai jamais à leur image. Et je ne serai jamais là où ils pensent, où ils espèrent que je sois. Je serai toujours au-delà. Ça, c'est de la grandeur. Donc, ne vous inquiétez pas, ou ne vous souciez pas de ce que les gens peuvent dire derrière le dos. Soyez à la hauteur. Moi, les histoires de couple, c'est pour ça que les amitiés avec les femmes en général, il y a des femmes qui sont de très bonnes femmes, de très belles personnes. Mais il y a des personnes aussi très toxiques, extrêmement toxiques. C'est pour ça que j'ai du mal à supporter les amitiés avec les femmes. Parce que trop de commérages. Moi, j'aime parler d'idées, en fait. J'aime parler de vision, d'ambition. Qu'est-ce qu'on peut faire? Projet qu'on veut bâtir? Où est-ce qu'on peut aller? Comment on peut conquérir le monde? Ça, c'est moi. Ça, c'est mon énergie, c'est ma vibration, c'est tout moi. Mais être face aux gens de petit esprit qui parlent des gens, d'ailleurs, tu sais ce qu'il avait si, machin. Ah, quoi? Really? I don't do that. Donc, sur ce, je vous dis une très bonne soirée. Je sors et j'ai même chaud. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.